lancer directement sur Van Vossen. Van Vossen en débordement dans la surface de réparation. Oh, la main de Guérin et l'arbitre qui l'a échoué sur un montant. C'est pas fini. Avec encore un ballon que Lilis a tenté de redresser. Et quel arrêt sur un ballon perdu. Une relance assez moyenne de Jean-Luc Sassus. On voit juste sur la ralenti la fin de l'arrêt de la main. Avec Guérin. Fournier s'est lancé sur le côté droit. Il est servi, Laurent Fournier. Il peut adresser un centre. Il y a Daniel Bravo dont la reprise de la tête passe au-dessus de la transversale de Deville. Quelle occasion! Celle-là était une très bonne et c'est dommage parce que Daniel Bravo en plus est un bon joueur de tête, a toujours un bon timing. Il semblait là être très bien élevé. Guérin avec Calderaro, le 1-2. Guérin qui récupère avec Fournier maintenant. La frappe de Fournier et la parade main gauche de Deville. Il pouvait très bien anticiper sur un centre car il y avait des bleus qui arrivaient au deuxième poteau et il a joué le tir premier poteau directement. Daniel Bravo, Sassus et Calderaro bien sûr dans la surface de Deville. C'est Calderaro qui frappe. Je crois qu'il y a une main au départ aussi sur la tête de Calderaro. Mais quelle frappe de Calderaro sortie par Boffin de la tête. Et qu'est-ce qu'il faisait là Boffin? Eh oui, normalement il aurait dû remonter en plus pour mettre les attaquants en jeu. Regardez la balle, par un blanc. Alors on ne peut pas reprocher de laisser l'avantage non plus, la main n'est pas volontaire, il y a frappe, il devrait y avoir but ou presque. Elle y est la main, mais pas volontaire, non. Il y avait belle frappe de Caldera. Lama qui va sortir impeccablement. Cette fois il peut utiliser la relance à la main vers Fournier. Mais Boffin est là et Monsieur Rotlisberger siffle la fin de cette première période. 0-0 Michel. Ben, disons que 0-0, je crois qu'on a trouvé deux équipes qui essayent de bien jouer au ballon, de côté d'Anderlecht d'une part et de côté de Paris Saint-Germain d'autre part. Donc c'est un match très plaisant, mais je vais vous faire un aveu, Thierry, je ne sais pas qui va gagner. Et ça, c'est fait longtemps que je ne sais pas. Je sais pour qui je suis. Je souhaite que Paris Saint-Germain gagne, mais je ne sais pas. C'est le charme de... Haussmann, ouverture longue vers Van Vossen. Van Vossen qui a le ballon. Van Vossen toujours qui attend du soutien. Van Vossen encore. Oh là là, avec Nilis, avec Versavel. Et la parade de la main, la frappe de Rutschès. Et ça passe à droite. Ouais, chaud. Ça passe à droite. C'est Lama qui la remet à droite. Deuxième arrêt de Bernard Lama sur deux occasions terribles d'Anderlecht. Elle est d'abord cafouillée. On croit que Roche va s'en sortir. En fait, il ne s'en sort pas. Le Gwen la perd. Nilis la remet superbement à Versavel qui la va tirer. Et bien joué, il s'embarque sur la gauche, il laisse les jambes traîner, Bernard Lama, elle revient et il va encore la sortir. Mais c'est pas fini pour lui. Avec un corner où le public réclame une main. Ouh. Et oui, Guérin en débordement. Guérin qui a passé Van Baekel. Oh, monsieur Rotlisberger laisse jouer. Et Le Guen a récupéré pour Valdo. Valdo dans le dos de De Wolf. Valdo toujours le centre en retrait dans le dos de Le Guen. Et attention au contre, emmené par Valem. On s'acherche le chaos des deux côtés en ce moment. Versavel pour Van Vossen. Van Vossen face à Sassus. Van Vossen pour la tête de Johnny Bosman et but. But de Johnny Bosman. Après 7 minutes en seconde période, Johnny Bosman ouvre le score. Très beau but. C'est celui qui a demandé le ballon en profondeur, qu'il a réussi, c'est-à-dire Van Vossen, qui lève la tête, qui voit Bosman tout seul au centre et qui donne un superbe ballon. Et là, il n'y a rien à faire pratiquement pour Bernard Lama, puisque la balle va complètement dans la lucarne. Mais c'est vrai que l'appel en profondeur de Van Vossen était bon, le centre était bon, la tête était belle. Il n'y a rien à dire sur des buts comme ça. Ricardo. Oh, le bon contre, Van Vossen. Van Vossen poursuivi par Roche. Van Vossen qui frappe. Et l'arrêt encore de la main. On revoit Van Vossen là. Il va tirer entre les jambes de Lama. Et là, Lama est bon parce qu'il laisse traîner la première jambe sur la droite et la deuxième jambe à l'intérieur. C'est-à-dire pour empêcher le petit pont en fait. Quoi.
Comboiré. Centre de Comboiré, Fournier peut-être. Calderaro, c'était contre Metz. Elle y allait, c'est sûr. Et contre Metz, elle y était allée, Michel Charles. Bravo. Comboiré qui veut servir Calderaro dans le dos de Van Baekel. Ce sera un corner. Allez, tous les coups de pied arrêtés sont très importants pour l'équipe du PSG parce qu'ils ont montré que dans le jeu aérien, ils étaient supérieurs. Et PSG qui est toujours mené 1-0 par Anderlecht. Dixième coup de coin, comme on dit ici en Belgique, pour Valdo. Premier poteau, but ! Oui, Comboiré. C'est le but de Comboiré. On l'a vu arriver. Et Comboiré au premier poteau qui vient égaliser. Un but partout entre Anderlecht et le Paris Saint-Germain. Et pour le moment, PSG qualifié. Et vous l'avez vu, le sourire d'Amara Simba et Antoine. Si vous savez le nombre de fois et le nombre de copains d'Antoine, on va le revoir, il doit sauter au premier poteau, méchant là, voilà. Qui ont été dire à Antoine Comboiré qu'il devait mieux sauter, qu'il devait imposer sa présence physique, qu'il devait se battre sur chaque coup de pied arrêté pour aller mettre la tête, car il est normalement plus haut que les autres. Elle est juste effleurée, elle est pleine lucarne de l'autre côté. Fournier. Ah, il joue bien, Valdo. Valdo. Calderaro au centre. Ouais, Valdo, il va la garder. Valdo, il va servir Guérin qui frappe et qui marque. Oh non, c'est encore Boffin. Boffin, il nous élève. Ça fait 3 qui sort. C'est encore Boffin qui vient sauver sur sa ligne. Mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Valdo. Tout était remarquable. Regardez bien le contre-pied. Il fait seulement de frapper. Va la remettre tranquillement à Guérin. Guérin joue merveilleusement bien aussi. La place au deuxième poteau. Et qui est là? Boffin. 43-40. Il est debout, Arthur Georges. Tête de Ricardo. Valdo. Allez, tout seul en la gardant. Avec Calderaro. Il n'a pas vu, il avait bien joué. Il a rendu à Valdo, c'est bien fait. Valdo qui a vu Daniel Bravo. Bravo pour la balle de match. Et c'est Deville qui la sort. Combien il y a eu d'occasions pour le PSG en deux matchs? Combien? Des nets, il y en a eu au moins 10. Oh, regardez comme Valdo la redresse bien. Et là, il cherche à la piquer, c'est pas idiot non plus. Le temps travaille pour PSG. Et Valdo, il le sait. Oh là là, quel joueur Valdo. Guérin. Et il faut faire courir, revenir Colter. Vers Valdo. Voilà. Guérin. Monsieur Rottisberger vient de regarder sa montre une première fois. Valdo. Colter pour Lasser qui n'est pas signalé hors jeu. Le ballon n'est pas sorti. Centre de Lasser, ouais, c'est la meilleure c'est chose bon. Qu'il pouvait c'est lui fini. Arriver. Et c'est fini. Un but partout. Le Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Michel, bravo Paris. Et merci Antoine Comboiré. On pourra dire que c'est peut-être pas celui des joueurs français qui a les meilleurs pieds, mais on peut dire ce soir c'est celui qui avait la meilleure.